et re-bienvenue sur un travel vlog. Bienvenue dans notre baby moon. Oh my god, officially welcome. So happy to be here, tellement reconnaissante, grateful, thankful. Petit update, si vous avez écouté le dernier vlog, je vous disais que j'essayais de pacter en carry-on only. It was a major fail. Honnêtement, j'étais tellement motivée, j'avais tout acheté. Si vous avez vu la vidéo, j'ai acheté genre les trucs en bas, les trucs en bâton. J'étais tellement prête, tellement motivée. Nos vêtements ne rentraient pas. On avait beau essayer de size down, Gab et moi. On est both fashion girlies. Même Gab, il y a comme des fous outfits, plein de looks, plein d'affaires qu'il voulait amener. Puis on était comme, ok, never mind. On amène chacun une grosse valise. Normalement, moi, j'amène une grosse valise, un duffel bag et un carry-on. Normalement, je overpack. Là, j'ai amené vraiment juste une grosse valise puis un petit sac à dos. So I was really proud of myself. Au moins, il y a ça comme différence. Fait que notre itinéraire, on fait Nice, Menton, Sorrento et Positano. J'ai vraiment, vraiment hâte. On est présentement à Nice. Je suis venue ici en 2019. Ça fait vraiment longtemps, honnêtement. Puis quand je suis venue, on est resté vraiment pas longtemps. C'était pour un press trip. J'ai juste comme survolé un petit peu Nice. J'ai pas vraiment enjoy. J'ai pas vraiment comme visité. Fait que j'avais tellement hâte de revenir. J'ai toujours dit à Gab, on dirait, ça m'a comme mis l'eau à la bouche puis je veux revenir ici. Puis so far, hier, on a essayé juste de beat the jet lag. Fait qu'on a juste essayé de battre le jet lag. Pour vrai, le jet lag was really, really hard on me pour cette fois-ci. Normalement, je suis vraiment bonne pour battre le jet lag, mais c'était vraiment difficile. Fait qu'on a juste, on est juste arrivé, relaxé, est allé dîner un late lunch, se promener, marcher, explorer les alentours. Puis aujourd'hui, on s'en va dans un little beach club. Moi, j'appelle ça des beach clubs, mais dans le fond, c'est comme des plages privées slash restaurants où est-ce qu'il faut juste réserver pour avoir chaise longue, serviette, coussin, parasol. Puis vous avez du service pour dîner, vos drinks, etc. Puis ouais, on s'en va déjeuner, puis après ça on s'en va là-bas. Le premier beach club qu'on a réservé, ça s'appelle le Castel. Puis on fait vraiment tout à pied de notre hôtel. Notre hôtel est vraiment bien situé. Fait que pour ça, c'est un wow. Je la recommande vraiment juste pour la localisation. T'es près de tout. À date, on fait tout à pied. Fait que c'est ça, je vous amène avec nous en Baby Moon Vlog. Je viens de commander un Virgin Mojito. Look how gorgeous this day is. Tu regardes qu'est-ce que t'as pris? Moscarmio, bière au gingembre. Classique. Cheers! Petite vue sur la terrasse de l'hôtel, une petite terrasse intérieure. C'est des chambres un peu plus petites, mais on est vraiment comme dans le centre de Nice, à côté de la vieille ville, à côté de la promenade des Anglais, où il y a tous les restaurants, les private beach clubs. Ici, il y a comme un petit garde-robe dans l'entrée. Puis, la salle de bain. Vraiment mignon, little room. Petit recap de hier, puis qu'est-ce qu'on a fait ce matin so far, puis où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui. Fait qu'hier, comme je vous ai dit, on est allé au Castel. C'est un beach club vraiment tranquille. Si jamais vous cherchez un beach club qui a pas de musique, tranquille au max, genre kids friendly, dog friendly, vraiment comme relax, familial. La bouffe était super bonne, puis c'était le plus loin où, B? Proche de, je vais l'oublier. Gab va vous dire. Au pied de la colline du château. Au pied de la colline du château. Fait que c'était quand même un petit peu plus loin de notre hôtel. Mais j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que c'était full beau pour les photos. On avait tellement des beaux sièges. On avait comme les derniers au bout d'une rangée. On était first row. Il y avait personne en avant de nous. Personne sur le côté. C'était super beau. J'ai vraiment aimé ma journée. Fait quoi, on a passé la journée là-bas, juste profiter de la plage, relaxer, order là-bas. Après ça, on est allé souper, puis on a pris ça vraiment cosy. J'essaie encore de fight le décalage horaire. Notre bébé, en fait, il a vraiment un horaire, puis ils disent que souvent les bébés ont un horaire, puis ils bougent souvent au même moment. Puis notre fils, il bouge toujours un petit peu durant la journée, comme je le sens à chaque jour, des petits kicks here and there. Mais son moment qui est le plus actif, c'est toujours à 10-11 heures le soir. C'est genre la construction là dans mon ventre, le boum boum boum, c'est fou. Puis ça turns out que c'est genre entre 4 et 5 heures du matin, parce qu'on a plus 6 heures ici. Fait qu'à chaque matin, 4-5 heures, I'm wide awake. Alors, j'ai de la misère à dormir, bref, honnête. J'ai de la misère, c'est la première fois que j'ai autant de la misère à beat le décalage horaire que quand j'ai en Europe. Je suis crevée à genre 9 heures le soir. Fait que je m'écoute mon corps, je relaxe et I'm really cozy. Puis là, ce matin, on s'est levé, on est allé voir le marché des fleurs. C'était tellement beau. C'est vraiment cute de voir tous les locaux. On est dimanche aujourd'hui. Fait que c'est sûr, il y avait beaucoup de locaux qui allaient juste chercher genre des fresh flowers avec des fruits pour leur brunch. It was really cute. On est allé se grab des fruits. On a déjeuné, pris le petit déjeuner ici. Puis là, je suis habillée pour aller à la plage. On s'en va essayer un autre beach club qui collabore avec notre hôtel. Fait qu'on a comme des rabais pour aller là-bas.
Ça s'appelle le Rulle. Puis c'est vraiment juste en face. Fait qu'on s'en va à la plage encore aujourd'hui. Il fait full beau, full chaud. On crevait ce matin. Genre, Météo Média disait que le ciel était couvert. Puis qu'il faisait pas beau. C'est gros soleil et on crève dehors. Alors, on va aller à la plage. Puis je vais vous emmener avec nous. Fait que, let's go to the beach. Beach, let's go get away. Je pense que vous connaissez le reste de la tune. Ok, on se voit à la plage. All in my phone, I got options. And I don't wanna tell you to drop me. But I don't wanna play your favorite. Yeah, something that makes me look at you too often. Oh, baby, you can give it something. Baby, I can run all the time. Baby, I'm talking crazy. I need you right in my space. But I need it, baby, I'm late. But I check in with you. I know that I need my friends, but I wouldn't wanna leave. No, I wouldn't wanna bleed. Even my heart, my mind, and my body. My mind, my mind, my mind, my body. Je suis prête pour aller take some little mermaid pictures by the pool. Mon outfit aujourd'hui is giving very mermaid-y. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est comme une robe en mèche avec un maillot argent. En fait, je vais tourner la cam pour vous montrer après. Un maillot argent du mesh kit. Puis j'allais faire des petites photos. Puis ce que je fais, c'est que j'amène mes wipes à la piscine ou à la plage. Des fois, je me fais demander ça. Le monde sont genre, how can you keep your makeup on all day at the beach? Baby girl, I'm not doing that. Genre, je le mets, je fais mon content, I do my work, I do what I want to do. Puis après ça, je fais juste wipe it off, enjoy. Puis je prends aussi plein de photos pour le maquillage aussi. Fait que je suis comme, I do kind of a mix. Mais là, I'm all glammed up. J'ai fait des petites tresses parce que mes cheveux étaient un peu sales. Puis j'étais comme, j'ai essayé de cacher un peu le fait qu'ils sont gras and do like little braids here and there. Je trouve ça cute. Aujourd'hui, c'est vraiment like a chill day. On va aller à la piscine à notre hôtel, aller au resto, get glam, go to restaurant, passer du temps ensemble. Pour vrai, c'est le best voyage ever. Les memories qu'on fait ensemble, les souvenirs qu'on fait ensemble restent gravés dans mon cœur à jamais. Je profite tellement de chaque moment avec mon mari. Juste nous deux, for the last time, probablement dans notre vie. Parce que j'ai l'impression que quand t'es parent, même si tes enfants sont pas avec toi, t'es quand même toujours parent. Till the day you pass, you are still a parent. Comme moi, mes parents, je sais qu'ils aiment ça, je les texte à chaque jour, j'aime ça, je leur donne des nouvelles, même si moi-même, je deviens un parent, they're still my parents. Alors, je veux vraiment enjoy and cherish this every single minute of and second of the day. Je suis genre tellement grateful, je fais mes gratitudes à chaque matin, j'ai amené mon journal de gratitude with me, and I'm so thankful and so grateful. Fait que ouais, on se rejoint, je vais aller rejoindre mon mari. Good morning! Back at it again dans cette salle de bain de feu. As you guys know, I love my home so much, puis je veux rester dans notre maison une couple d'années encore, but my dream one day would be to have a huge bathroom pour filmer avec vous, but just get ready and have a ton of storage, ton of space. J'aime tellement ça me préparer ici, comme get ready puis faire ma petite routine matinale puis ma routine corporelle. C'est vraiment mon petit moment à moi, genre my little therapy, my little moment. Puis c'est comme des petits moments tellement précieux dans ma routine, vous savez, là, surtout avec mon 9 à 5, j'aime tellement ça, genre me lever, prendre soin de moi, faire ma routine, puis on dirait, je continue à faire ça quand même en vacances. And I just love it, it makes me feel super good. Fait que là, on s'en va déjeuner. Après le déjeuner, on s'en va à la piscine. On a décidé, aujourd'hui, j'avais réservé un autre beach club que je me suis dit était super beau. Ça s'appelle La Cabane. Par contre, j'y vais pas, fait je peux pas vraiment vous recommander ou non. À Menton. Mais l'affaire, c'est que je sais pas si there's other pregnant ladies ou si vous avez déjà été enceinte puis vous avez le même feeling que moi. Personnellement, enceinte, être confortable, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. Et pour être confortable, il faut que ça soit quand même mou où ce que je vais, ok? Je veux m'excuser. Genre, je peux pas être assise sur une chaise full dure ou être couchée sur une chaise longue, dure, qui a pas de coussin. Genre une chaise juste en tissu, ça marche pas pour moi. Même à la maison, je dois mettre des coussins. Je suis vraiment pas confortable. Genre, si je suis assise sur une chaise en bas, whatever, je t'offre pas longtemps, puis je suis pas bien. Puis le premier beach club qu'on est allé la première journée à Menton, ça s'appelait à la plage des Sablettes. J'avais une chaise, mais il y avait pas de coussin, puis j'étais tellement pas bien. Genre, j'avais des points dans le bas du dos. Puis déjà, mon bas de dos, je fais beaucoup d'exercices, beaucoup d'étirements, parce que, évidemment, on a beaucoup de pression dans le bas du dos quand on est enceinte, parce que notre dos, c'est comme s'il force constamment pour se tenir droite, puis forcer contre la gravité d'avoir le poids du bébé en avant. Fait que
c'est juste tellement pas confortable. Donc bref, tout ça pour dire que hier on a découvert comme un petit peu plus notre hôtel. On a tellement passé une belle journée à la piscine. Il y avait personne, on était tellement confus, on était genre sur un gros sunbed avec matelas, avec serviettes. Gab est allé nous chercher un lunch juste au petit bistrot à côté. Comme on était tellement bien, puis ça nous a coûté 0$, on n'a pas eu à débourser pour avoir des chaises ou quand même, parce que c'est déjà dans le prix de notre chambre. Fait qu'on s'est juste dit aujourd'hui, why not canceller notre réservation? Enjoy encore la pool ici, on est vraiment bien. Puis ce soir, on va retourner un petit peu plus où il y a la plage des Sorbettes justement pour aller se promener, marcher. On veut peut-être aller voir des jardins botaniques, puis comme magasiner et tout, puis juste enjoy. Fait qu'il nous reste encore une nuit ici. Puis après ça, on s'en va en Italie. C'est la première fois que Gab et moi, on va en Italie. Je suis vraiment excitée, j'ai vraiment hâte. J'ai tellement entendu des bons commentaires sur l'Italie, puis j'ai juste hâte d'y aller, honnêtement. J'ai hâte de voir how it is. Puis ouais. C'est pas mal ça le plan de match. Fait que je vais aller avec Gab eat some breakfast. Je vous amène avec nous des petits clips here and there quand je suis capable. J'ai bien hâte de voir de quoi ça a l'air le footage à date de ce vlog. Parce que je vlog par-ci par-là, j'ai pas mis mon ordi pour checker le footage. Normalement, j'aime ça éditer au fur et à mesure, mais là, bringing the besties along. Puis je vais regarder à la fin and hopefully, ça va être un pas pire vlog. Fait que je vous amène, à tantôt. Ok besties, je vais juste vous montrer. Ça c'est Gab et moi avec our little setup. Puis je vais juste faire un 360 pour vous montrer. Il n'y a pas un chat à la piscine. Comme ça fait deux jours qu'on vient, 360 là. I'm forever alone right now parce que Gab vient d'aller chercher notre lunch pour qu'on dîne ici. Là-bas, il y a les vestiaires, c'est vraiment propre. Genre toilette, douche, tout, qu'est-ce que tu veux. Honnêtement, c'est quand même rare, je trouve, en Europe, des belles toilettes. En Grèce peut-être, là, mais je parle en France, honnêtement, à date, même dans les restos, genre les plus fancy, des fois les toilettes sont comme ouh. Tandis que ici, les toilettes sont vraiment beaux. Pour vrai, je recommande tellement cet hôtel. Voici notre hôtel, c'est la Villa Genesis, comme je vous ai dit. C'est magnifique, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de chambres. Je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi il n'y a pas tant de monde que ça. Puis on est tellement confortable. On a genre, là, je me suis mis un petit peu au soleil pour griller. Puis on a de l'ombre, on est juste tellement bien. Puis c'est ça, Gab est allé nous chercher des wraps. Il y a comme une petite place de sandwich sur la rue parallèle. Puis juste là, c'est l'eau, puis la plage aussi, si on veut y aller. Fait que, ouais, je voulais juste vous montrer Little Empty Living or Best Life. Présentement en Italie, je vais vous faire un little room tour de notre hôtel. Notre hôtel est magnifique puis est vraiment bien situé. On rentre à gauche, j'avais la salle de bain. Très look et design italien. Notre miroir ici dans l'entrée. Ici, il y a vraiment une belle vue. C'est juste que là, j'ai pas encore ouvert le rideau. On vient littéralement juste d'arriver. Et voici le lit. So cute. Tout est bleu et jaune. Ici, on a comme un espace garde-robe où on est tout en train de setuper. Et en partie, la vue de notre chambre. Tellement beau, la piscine à étage, la montagne. Notre hôtel est vraiment famous pour cette piscine-là. Je l'ai trouvée sur Pinterest, puis c'était sur mon mood board since forever to be able to come to this pool. Tellement beau. Puis on est comme à 10 minutes de la mer. Ce que j'adore de cet hôtel-là, honnêtement, puis pourquoi je vous le recommande, c'est que moi, au début, je stressais un peu. J'étais comme, comment je vais faire pour me rendre à la ville qui est là? Puis la ville amène au bord de l'eau. But what's amazing, c'est que notre hôtel, en ce moment, je suis au 11e étage, mais je suis dans la montagne. Comme vous pouvez voir, on est vraiment à flanc de montagne. Il y a un ascenseur, en fait, tu prends deux ascenseurs séparés, mais qui t'amène jusqu'en bas de la route. Puis après ça, tu fais juste marcher. On est à 5 minutes à pied du bord. Là, on voit pas très bien de ma vue, mais ici, c'est l'eau. Il y a le bord de l'eau. Puis au bord de l'eau, ça coûte 1 euro. Puis tu prends un ascenseur pour descendre, puis tu vas à la plage. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va au Beach Club. Je vais vous amener, je vais vous montrer comment ça se rend. Mais à date, honnêtement, pas d'escalier. Il y a l'option d'avoir des ascenseurs. Pour une femme enceinte, it is big win. OK, besties, ça, c'est l'hôtel à flanc de montagne. Puis il y a un autre palier qu'on voit pas un peu plus haut. Fait que vous sortez ici, descendez,
Puis voilà, the main road. Au bout de cette rue-là, genre même pas 5 minutes, c'est le village. Puis on va prendre un autre ascenseur qui est comme environ là-bas pour aller à la plage. Mais je recommande vraiment cet hôtel-là en termes de proximité, en termes de wow. Fait que ouais, je vous remonte tantôt. Ok, on est arrivé à Positano. Voici la chambre quand vous rentrez. Il y a bureau, garde-robe, un petit meuble, beaucoup d'espace. Moi, j'aime ça quand même, avoir de la place. Le lit, la salle de bain, toilette, bidet, douche, moi, with baby boy. Et ici, c'est vraiment cool parce qu'ils t'amènent ton déjeuner sur ta terrasse. Fait qu'on a une petite terrasse privée. On a une petite chaise longue pour se faire bronzer. On peut manger. On a Daddy. Salut. Et on a la vue sur Positano. Puis pour descendre, on peut marcher. Puis probablement qu'on va remonter en taxi parce que Pregnant Me, faire les escaliers, c'est assez intense. Il y a beaucoup d'escaliers. Mais ça a full bien été pour venir ici en taxi parce qu'on est sur la main road. Fait qu'on est venu en taxi de Sorrento. Puis ça s'est vraiment bien passé. Puis demain, on s'en va au Arienzo Beach Club. Puis si je me trompe pas, il faut juste descendre. Puis il y a comme un shuttle en bateau qui vient nous chercher. Fait que je vais vous amener dans notre aventure demain. Morning in Positano. On a notre déjeuner ici. Cute little cozy breakfast. La vue. Il fait vraiment comme soleil and bright and early. Fait que ouais, on va déjeuner tranquillement. Profiter de la vue. Puis on s'en va au Arienzo Beach Club. A little haul de tous nos cadeaux. Souvenez, on vient littéralement juste d'arriver à la maison. C'est le bordel. Mais j'étais comme, faut que je vous fasse un haul de tout ce qu'on a trouvé à Sorrento. En fait, c'est vraiment là qu'on a fait les plus beaux achats. Fait que premièrement, beaucoup de limoncello sont emballés parce que c'est des cadeaux pour notre famille. On s'est aussi acheté en France, me semble, à Menton ou à Nice. C'est ça, à Menton? On a acheté de l'huile de truffe parce que moi puis Gab, on adore genre les frites aux truffes, tout ce qui est aux truffes, les pâtes aux truffes. Fait qu'on voulait vraiment se faire des pâtes aux truffes ou des patates. Ça, dans le fond, je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram. Vous devez vraiment y aller la fin de semaine. Il y a des marchés locaux avec des artistes qui font eux-mêmes plein de goodies, des crafts, des bijoux. Puis, il y avait une grand-maman qui tricotait des petits toutous comme ça pour des enfants. Puis, je trouvais ça tellement cute. Fait que je l'ai acheté. Puis, quand je l'ai acheté, elle m'a juste donné des blessings pour mon bébé, des bisous. Puis, comme it was just such a heartwarming situation. C'était juste tellement un beau souvenir. Fait que je voulais acheter ça pour baby boy. Je trouve que c'est vraiment cute. On s'est acheté une boule de Noël faite à la main, 100% faite à la main. On a acheté des bijoux pour notre famille. Je vais pas les déballer parce qu'il y a beaucoup d'affaires que c'est comme des cadeaux, des trucs pour nos moms, c'est des trucs aussi pour fête des pères and all of that. So we have a bunch of gifts. Fait que les cadeaux que vraiment nous on s'est fait pour nous, je vous dirais, c'est l'huile de truffe. Ça c'est pour baby boy. Gab va vous ouvrir son cadeau qu'il s'est acheté. Moi je me suis acheté des sandales aussi que j'ai oublié de vous montrer, mais sont, je pense que je les ai peut-être montrées dans le vlog. Puis on a notre sac à couche. On a fait broder son nom, il est comme ici de l'autre côté. Fait que ça rajoute vraiment vraiment un effet super wow. On aime vraiment le format aussi. C'était pas mal ça les formats de sac à couche que j'avais déjà magasiné. Puis là Gab va vous déballer son nouveau jouet. Parce que Gab puis moi, on a vraiment notre maison de rêve en tête, ok? Puis on en parle souvent de comment qu'on veut la design. Puis Gab, il va avoir une pièce vraiment comme à lui, genre un bureau avec toutes les étagères murales. Puis comment ça s'appelle le genre d'armoire que tu voulais? By the way, on monte pas nos faces parce qu'il est genre 6h du matin, on est full jet lag. Il appelle ça un cabinet de curiosité. C'est plein d'affaires de voyage ou des choses qui t'intéressent, qui te passionnent. Puis on s'était dit que c'était l'occasion d'acheter un des premiers objets. Il est vraiment beau. On a rencontré le monsieur qui faisait ça aussi au marché de Sorrento.
Donc, une boîte en bois, là, puis ils viennent prendre plein de petits morceaux de bois qui vont venir coller, puis ensuite vernir pour faire un fini, là. Puis là, c'est une photo, là, ou une image de Sorrento sous la forme d'un petit piano. Il est magnifique. C'est une boîte à musique. Fait qu'on aime ça ramener des petites pièces comme ça, Gab et moi. Puis dans son bureau à Gab, je sais pas si vous voyez un peu comme notre pièce ici, tu sais, on a des étagères, mais dans le bureau à Gab de rêve, avec genre son armoire qui parlait, ça va être vraiment comme une unité murale au complet derrière son bureau. Imaginez comme un bureau quand même massif, toute une unité d'étagères, puis que dans les étagères, c'est plein de petits knick-knacks vraiment originaux, vraiment différents de des places que tu sais que c'est unique puis qui ont une histoire derrière. Je vais vous faire un petit unboxing aussi de tout ce que j'ai reçu pendant qu'on était parti, tant qu'à être en vous montrant. The haul of little PR packages I got. Fait que j'ai reçu du make-up Annabelle. Vraiment hâte d'essayer ça. Nouveau bronzer, little blush. J'ai reçu aussi cette full belle trousse de Karine Jonka. À l'intérieur, on va l'ouvrir. Un nouveau perfume dans cette trousse-là rouge. J'ai reçu de Nuda Canada. C'est leur nouveau produit. Je suis vraiment excitée. Ouh, Self Tanning Water Mousse. Wow, le PR package est vraiment, vraiment beau. Petit colis de Laura Mercier. Ils m'ont envoyé de Bare Minimal La Cleansing Oil. Un petit rouge à lèvres. Ici, on a un petit blush et leur Translucid Powder. Ensuite, de Paula's Choice. J'aime vraiment l'exfoliant Paula's Choice. Ils m'ont envoyé leur Sunscreen Oil. Un nouveau Hydrating, peut-être comme SPF 50. Fait que ça, c'est quand même vraiment cool pour l'été. Puis comme vous savez, je mets tout le temps de la SPF 50. Et j'ai reçu un colis de Kylie Baby, so cute. Elle s'est écrit Mo, congratulations, sending you our favorite, enjoy Team Kylie. Fait qu'on a le moisturizer, gentle conditioner pour bébé, on a le shampoing, on a un petit lip and cheek stick. Oh my god, j'ai tellement hâte d'essayer. Puis smooth balm apaisant avec une belle petite serviette qui a comme un petit nuage comme ça. Puis j'ai vu que je peux mettre la tête du bébé. Fait que vraiment un cute colis for baby boy. Fait que ouais, je suis vraiment reconnaissante. Merci tellement à toutes ces belles brands pour ces beaux colis PR. I'm gonna unwrap everything and put everything away. Puis on se rejase. Hey besties, j'espère que vous allez bien. I just wanted to tune in, faire un petit recap un peu de la Baby Moon. Puis vous parler de mes must recommandations, must have. Puis juste faire un petit little wrap up on everything. Alors on a commencé comme vous avez vu à Nice, vraiment tout ce que j'ai jasé à Nice, je le recommande à 100%, je retournerai. Vous savez ma politique, if you watch the vlogs, si je retourne à quelque part puis que je rebookerai un hôtel, it means I recommend. Si je rebookerai pas cet hôtel là, ça veut dire que je recommande pas à 100%. Mais sinon toute notre itinéraire à Nice, vraiment j'approuve. On s'est beaucoup baladé, on a fait plein de petits marchés, des petites boutiques, puis c'était vraiment un voyage très comme resort vibe, relax, aller à la plage, etc, etc. Donc toute notre baby moon, c'était vraiment juste pour relaxer. Le dernier voyage qu'on a vraiment eu relax, Gab et moi, c'est notre honeymoon l'année dernière. Donc ça faisait vraiment longtemps, parce qu'après on est parti en Floride avec toute notre famille. C'était un voyage avec comme 20 personnes. Puis après ça, on est allé à Banff pour le travail à Gab. Puis Gab se levait à 5h du matin chaque jour, congrès, il travaillait, etc. Fait que c'était pas vraiment comme un voyage que tu te décroches. Tandis que là, baby moon, on a vraiment décroché. Puis après, c'est comme chaque seconde pour relaxer. Fait que c'est ça, on a commencé à Nice. Ensuite de ça, de Nice à Menton, on a pris un train pour aller. C'était 5€, on voulait l'essayer, pour elle, je recommande 0. C'était jam-pack, à moins que comme ça vous dérange pas, puis vous voyagez en pack-sac, mais avec des valises, enceinte, c'était jam-pack. J'ai quasiment pas pu m'asseoir de tout le long du trajet. Les gens m'ont pas se lever pour te laisser ton siège. J'ai pas nécessairement la... Je trouve qu'il y avait pas nécessairement comme pas les bonnes manières, mais tu sais, tout le monde se pousse, puis il y a pas d'entraide ou de... Tu sais, quand tu prends le métro à Montréal, en tout cas, moi, chaque fois que j'ai pris le métro à Montréal, les gens sont tout le temps super gentils, puis ils te laissent passer, personne te pousse, puis c'est vraiment une mauvaise conception du métro de Montréal, si c'est ça votre idée, puis vous l'avez jamais pris. Moi, au métro de Montréal, je vois les gens les mieux élevés, puis les plus gentils ever. À chaque fois, j'ai habité 7 ans sur l'île, puis j'ai que eu des belles expériences en métro. Tout le temps, les gens gentils, qui laissent passer, qui laissent leur siège. Donc, bref, je sais que c'est un train, là, c'est différent, mais it was crazy. Il y avait une autre femme enceinte qui était là avec moi, puis on était comme, holy moly, genre, what is this? Fait que ouais, j'ai pas repris le train. À partir de ce moment-là, à partir de Menton, en fait, nous, on a loué aucun véhicule parce que tous les hôtels que j'avais pris, c'était proche des trucs à pied. Puis moi, en voyage, même en Grèce, j'avais pas loué de voiture. J'aime ça comme marcher, faire la destination. Pour moi, louer une auto, c'est comme complètement un autre different kind of trip. Fait qu'à Nice, on était super bien situés, on faisait tout à pied. À Menton, même chose. Tout à pied, tout
tout, on se baladait, on marchait sur le bord de l'eau, etc. Fait qu'on est revenu de Menton à Nice en transport privé. Puis à partir de là, tous nos autres transports qu'on avait prévus, comme bookés au fur et à mesure, on pensait peut-être booker des ferries, booker des trains au fur et à mesure, on n'avait rien réservé d'avance. On s'est dit à partir de là, on book juste des transports privés. C'est avec un chauffeur qui vient te chercher, puis qui t'amène dans le fond, puis c'est un prix fixe. Au lieu d'avoir un taxi avec un compteur qui roule, tu t'entends d'avance sur un prix fixe. C'est quand même assez dispendieux. C'est sûr, c'est plus dispendieux que le ferry et le train, mais pour vrai, moi je le recommande à 100%. Si vous êtes enceinte surtout, puis c'est votre baby moon. Les transports, j'ai trouvé vraiment au travers mon voyage. Une fois que j'étais rendue quelque part, j'étais vraiment bien. Mais le voyagement, le transport... Tu sais, moi, je travaille de la maison. C'est rare que je fais des gros voyages, des trucs comme ça. Surtout pendant ma grossesse, j'ai quasiment pas bougé de chez moi. Puis quand j'ai pris l'avion à Banff, je me sentais pas encore... Comme j'avais pas vraiment d'inconfort, j'avais pas vraiment une bédaine. Ça paraissait pas tant que j'étais enceinte encore. Je trouve que j'avais comme a little small bump. Tandis que maintenant, en troisième trimestre, prendre l'avion, prendre le train, se déplacer en taxi, juste c'est comme un inconfort parce que t'es comme dans la même position. Puis même si tu te lèves, même si t'essayes de bouger, t'es juste pas confortable. Moi, c'est plus ça que j'ai trouvé. Une fois que j'étais rendue à mes hôtels, I was very comfy, very happy. Mais les transports entre, j'étais comme, ok, non, je peux pas être dans le train debout. Puis comme, ça va pas, là, genre, suis ma vie. Puis comme, it was not working. Fait que là, j'ai dit à Gab, transport privé, it's gonna be that for the rest of the trip. Fait qu'on a booké, c'est ça, on a booké à partir de là pour tout le reste de notre voyage d'avance quand même, nos transports. Donc, on a pris ensuite l'avion de Nice à Naples. On a pris un vol interne avec EasyJet. Pour vrai, ça a super bien été. On avait déjà payé nos bagages d'avance. On avait vu plein de TikTok de monde qui était comme booker votre check-in luggage parce qu'ils font quand même, ils sont quand même assez stricts sur les dimensions de ton sac. Fait que nous, on avait juste tout check-in, on va pas se casser la tête. Ça a été super vite, super efficace. On est boardé à l'heure, décollé à l'heure, une nos valises à l'heure. J'ai vraiment, vraiment aimé. On est arrivé à Naples, puis on a pris un taxi de Naples à Sorrento qu'on a négocié pour avoir un prix fixe. Ça, on l'avait pas booké d'avance, le transport, et ça, ça a été vraiment pénible. Ça nous a pris 2 heures faire Naples à Sorrento, trafic. Tellement de trafic, on capotait un petit peu, puis moi j'étais genre vraiment mal assise, j'étais comme ok, c'est le bout de la merde, faut vraiment que j'arrive à Sorrento. J'étais comme, j'ai pété une couche, faut que j'arrive là, là. Fait qu'on était dans le gros trafic en Italie, pas l'air clim, dans le taxi. It was not the best start, to be honest. Mais après ça, on est arrivé à notre hôtel de rêve, qui est un hôtel que j'avais vu sur Pinterest depuis des années. Fait qu'à date, vraiment, mon hôtel à Nice, mon hôtel Villa Genesis à Menton, mon hôtel Capodimonte à Sorrento, c'est tous des hôtels que je retournerais. Vraiment, c'est sûr, c'est des vibes différents aussi, là, chaque hôtel. Puis, Sorrento, on a juste vraiment trouvé que c'était accessible pour une femme enceinte. Tu sais, Nice, Menton, pas d'escalier, tu vas juste marcher, tout va bien. Sorrento, il y avait beaucoup d'ascenseurs dans notre hôtel et des ascenseurs publics. Fait que ça, j'ai aimé l'option. Puis, tu sais, t'es pas juste en escalier, etc. Donc, c'était vraiment très accessible. J'ai adoré y aller la fin de semaine. Je vous recommande vraiment, si vous bouquez à Sorrento, d'y aller le week-end. Je trouvais que c'était là qu'il y avait le plus d'ambiance. On a vu le petit marché local. On a vu aussi tout ce qu'ils font pour la messe le dimanche. C'est vraiment impressionnant. C'est magnifique. C'est vraiment différent de qu'est-ce que j'ai vu, par exemple, ici au Québec qu'on fait. Ils font vraiment, ils décorent toutes les rues avec des fleurs, puis ils font vraiment comme une marche à l'extérieur. C'est vraiment très beau. Fait qu'on a vraiment aimé ça, puis en plus, ils venaient de gagner, ou je sais pas, c'est quand, là, je suis pas trop ça, le soccer, le football, là-bas. Ils ont gagné comme la coupe. Donc, c'est Napoli, là, dans le fond, Naples qui a gagné la coupe, mais Sorrento fait partie de comme la province de Naples. Donc, il y avait des décorations partout. C'était full festif. J'ai vraiment, vraiment aimé ça y aller la fin de semaine. Donc, Sorrento, je retournerai. À date, mon top 2 dans toute notre itinéraire, c'était vraiment Menton puis Sorrento. C'est genre les places que je retournerai le plus de temps. Je trouve que Menton, c'est vraiment comme low-key. On dirait que pas beaucoup de monde connaît ça. C'est tout de suite après Monaco. Moi, mes parents, ils avaient jamais entendu parler de Menton. C'est peu comme connu, je dirais. C'est vraiment familial, vraiment relax. C'est pas une place de party, là. It's a good place for a baby moon. Si vous voulez party et tout, vous allez à Monaco. Mais la plage des Sablettes, c'est vraiment une place que je recommande vraiment. C'est tellement beau. Tu vois toutes les buildings de couleurs. Le sable est vraiment crystal clear. C'est tellement beau. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé la plage des Sablettes. Puis juste se promener dans le vieux Menton. Puis il y a une place à Menton où il y a comme 5 églises, une à côté de l'autre, toutes dans un square. C'est vraiment beau. Encore une fois, les petites boutiques. Il y avait comme un petit carrousel qui renaît. Puis il y avait plein de petits trucs comme ça, vraiment cute aussi à Menton. Donc j'ai vraiment aimé. Puis Sorrento, comme je disais, c'est ça. Marché la fin de semaine. Toutes les
le craftsmanship, puis l'artisanat et tout, c'est très valorisé, je trouve. Puis il y a tellement des beaux artistes qui travaillaient le cuir, qui travaillaient, comme je vous ai montré, le toutou que j'ai acheté, les bijoux. Il y avait beaucoup de trucs faits à la main, puis tu voyais les gens le faire. Fait que ça, c'était vraiment le fun aussi de voir ça à Sorrento. J'ai vraiment magasiné le plus à Sorrento, honnêtement. Puis on n'est pas tant sorti de notre hôtel, parce que notre hôtel, c'était vraiment un resort. Fait qu'on, tu sais, j'ai pas été dans plein de restaurants à Sorrento, puis même tout au long de mon voyage, j'avais pas réservé quasiment aucun restaurant. Fait que j'ai pas tant de recommandations de restos à vous donner, mais je vais mettre en bio ceux que j'ai vraiment aimés puis que je retournerai à ces restos-là. Fait que sur ma honeymoon, j'avais plus booké des restos d'avant, j'avais plus regardé et tout. Tandis que là, pour la baby moon, j'ai comme un petit peu moins organisé d'avance où ce qu'on allait manger et tout. Fait que c'est sûr qu'il y a des places que je voulais aller essayer, mais que, tu sais, que j'avais vu ces réseaux quand même et que je pouvais pas aller parce que j'avais pas réservé d'avance. Fait qu'on était plus comme on avait booké aucun resto, puis on a toujours trouvé des places à des restos qu'on trouvait intéressants puis qu'on aimait le menu. Fait que ça, dans le fond, on est allé de Sorrento à Positano en transport privé par voie terrestre. Au début, on voulait prendre le ferry. Holy moly! Ce que vous voyez sur TikTok, it is reality. Genre, le ferry jam-pack, pour prendre l'autobus, pour prendre le ferry, les stations, c'était plein. Plein, 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 plein. J'étais comme impossible. Fait qu'on a payé un transport privé qu'on avait booké d'avance avec un chauffeur qui vient te chercher à ton hôtel, qui t'amène, prix fixe. Et Positano, en fait, j'y retournerai pas. Puis je pense pas que ça vaut la peine d'y aller. Personnellement, je vous le dis vraiment très honnête, I thought it was really pretty, gorgeous, vraiment beau. Je suis contente de l'avoir fait dans ma vie, mais je retournerai pas parce que je trouve vraiment que c'est comme overrated. C'est inaccessible complètement. Si vous avez un problème de cheville, vous vous êtes fait des ampoules, vous avez mal au genou, vous avez mal au dos, vous venez de faire une opération dans votre genou, vous êtes enceinte, zéro accessibilité. C'est juste des escaliers partout. Puis je parle pas de comme 4-5 escaliers, là, je parle de plus de 500 escaliers en continu. De notre hôtel, descendre à la plage, là, c'était 20 minutes d'escalier consécutif en deux murs de béton, pas de break. Là. Juste des escaliers, des escaliers, des escaliers, des escaliers, sans fin. Puis si tu veux y aller en auto, ça se fait, mais le taxi se rend pas jusqu'au bout quand même, jusqu'à la plage. T'es quand même obligé de prendre des escaliers. Fait que ça, j'ai juste trouvé que c'était, j'avais pas pensé honnêtement, là, j'avoue que c'était juste moi qui aurais dû faire plus de recherches, mais j'ai, comme si tu regardes Positano accessibilité, là, si vous êtes en chaise roulante, dans une poussette ou whatever, et zéro. Tout le monde va vous le dire dans les commentaires, c'est zéro accessible versus Sorrento, comme je vous disais, que si tu veux descendre à la plage, c'est sûr que la plage est vraiment comme, on est à flanc de montagne à Sorrento, mais c'est quand même plat. Si tu veux descendre, il y a des ascenseurs 1€ par la ville, c'est quand même assez facile de se rendre, je trouvais, puis j'ai vraiment pas pris quasiment aucun escalier à Sorrento. Mais à Positano, it was quite insane. Je suis vraiment contente d'avoir juste réservé 2 nuits là-bas. Puis je suis contente quand même d'avoir dormi là-bas, parce que je pense que si tu fais juste un day trip, ça doit être vraiment comme l'organisation. À moins que tu fasses le transport comme j'ai fait aller-retour, mais en ferry comme je vous disais, ou en taxi boat ou en autobus, c'était la pagaille. Puis en plus, on n'était pas en high season selon notre chauffeur de taxi. Puis on est allé au Arienzo Beach Club. Je le recommande vraiment, si vous allez déjà à Positano, je vous recommande d'y aller, parce que quand tu bookes avec Arienzo Beach Club, vous devez vraiment booker d'avance. By the way, vous devez réserver sur leur site internet d'avance, parce qu'il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde qui se faisait prendre puis qui voulait y aller le jour même, mais comme il n'y a plus de place, c'est vraiment une place en demande. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils ont des taxi boats inclus dans ton prix. Fait qu'ils viennent te chercher en bateau, puis ils t'amènent au Arienzo Beach Club. C'est comme dans une petite baie, vraiment isolée, vraiment cute. C'est vraiment beau comme place. Puis en même temps, le petit tour de taxi que tu fais aller-retour pour te rendre, ben tu vois la ville, puis tu vois comme toute la vue de Positano dans la montagne. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça y aller, honnêtement. J'étais vraiment assis, confortable, on était bien, on a passé la journée là-bas, Gab et moi, on a vraiment eu une belle journée. Il y avait de la musique live là-bas, il y avait le DJ, comme il y avait vraiment un vibe, genre DJ et tout. Il y a d'autres beach clubs que j'ai fait qui avaient comme pas de musique, c'était vraiment plus relax, parce que ça, c'était comme DJ, musique, like good vibe, party vibe. Moi, j'étais littéralement la seule femme enceinte que j'ai vue à Positano. On n'est pas eu une autre. Puis je suis sûre que les locaux, ils devaient être genre, qu'est-ce qu'il a fait ici? Genre, je pense que quand t'es enceinte, tu vas juste pas là-bas. Parce qu'il n'y avait pas de poussette et rien de ça. Tandis que pour un baby moon, je pense Sorrento. Puis il y a d'autres places sur la côte amalfitaine que je me suis fait dire que sont un petit peu plus adaptées. Mais j'avais comme tellement Positano en tête. On le voit tellement partout sur les réseaux sociaux. Mais comme je vous dis, super beau, super wow. Si vous avez genre une croisière ou quelque chose, puis c'est comme un arrêt, une journée, je pense que c'est super. Mais je sais pas comment tu peux le faire en une journée, à moins que tu fasses l'aller-retour transport privé, ce qui est quand même dispendieux dans la même journée. Mais si tu le budgètes, ça se fait. Puis mon hôtel en tant que tel, j'ai pas tant aimé le service de mon hôtel. Je recommande pour la localisation, parce que c'était sur le seul boulevard qui était both ways. Fait que t'étais pas obligé de tout descendre le serpentin jusqu'en bas, puis tout remonter de l'autre côté. Fait que ça, au niveau comme des transports, c'était bien pour notre hôtel. Mais au niveau genre du service à l'hôtel, en tout cas, j'ai comme plein de péripéties. It was not the best, to be honest. Fait que si je suis juste vraiment honnête avec vous, puis transparente, bestie, si vous voulez booker la même baby moon que moi, booker les mêmes affaires, faites juste skip Positano puis aller à quelque part d'autre.
pour vrai, c'est la seule affaire, je dirais. Mais je suis contente d'être allée, puis je suis vraiment contente de tout mon itinéraire en général. Mais les places que je rebookerai à 100%, puis que je vous commande tellement d'y aller, Menton, Sorrento, vous devez mettre Menton dans votre liste, pour vrai. C'est une place vraiment underrated et vraiment belle. Puis Sorrento, j'ai vraiment aimé. Fait que c'est pas mal ça, je vous dirais, the whole wrap-up de notre voyage. Ça a tellement fait du bien, c'était comme un second honeymoon pour nous. Puis je pense que ça va être une tradition également. On s'est dit, genre, on aimerait ça chaque année, autour de notre mariage, partir comme en juin. Une semaine, deux semaines, trois semaines en voyage, puis là on va pouvoir amener notre fils avec nous, puis on a hâte de comme voyager avec lui, puis de l'amener vivre toutes ces expériences-là. Fait que ouais, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment apprécié chaque seconde, chaque minute. J'étais tellement reconnaissante d'être là. J'avais amené mon journal de gratitude avec moi, puis j'écrivais mes gratitudes à chaque matin, des fois deux fois par jour. J'étais vraiment, vraiment contente, puis reconnaissante d'être là. Puis c'est ça. J'espère que vous avez aimé The Little Baby Moon Vlog. N'hésitez pas à mettre un thumbs up, un comment. J'aime vraiment ça répondre à vos commentaires, puis pour vrai, juste vous abonner à ma chaîne, c'est comme la meilleure rétroaction pour moi. Je le dis souvent, mais c'est comme tellement une motivation de continuer à faire ces vlogs-là, continuer à mettre du temps pour les éditer, etc. Fait que c'est ça, besties, on se revoit dans mon prochain vidéo. Ça va être mon baby shower vlog, what I got for my baby shower. Puis c'est ça, j'ai full hâte de vous rejaser. Fait que à bientôt!